Bonjour, depuis des décennies, j'utilise quatre médiums principaux. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter un qui me semble très important et très utile, particulièrement pour les gens débutants en peinture à l'huile et qui donne un excellent résultat. Il s'agit du liquin. Avec ces deux variantes, eh bien, si vous regardez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur le liquin et comment l'utiliser de manière agréable et efficace. Le liquin, c'est un produit très récent, enfin qui a peut-être une vingtaine d'années, qui a été créé pour travailler avec les peintures alkyd. Ce sont des peintures un peu spéciales, qui ont une tendance un peu transparente. J'en ai utilisé, mais je ne les utilise plus. En fait, rien ne remplace pour moi la peinture à l'huile, et aussi l'acrylique, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Je ferai aussi d'autres vidéos sur l'acrylique. En fait, en peinture à l'huile, donc il y a toute une gamme énorme de médiums et ces médiums peuvent poser problème quand on ne sait pas les utiliser parce qu'ils peuvent être contradictoires. Certains vont être très utiles pour certaines choses, d'autres pour d'autres, etc. Et il faut savoir, par exemple, le médium vénitien est très bien pour travailler en touche, même de manière impressionniste, par exemple, alors que le médium flamand va être très très bon pour des travaux plus lisses, etc. Donc il faut savoir tout ça. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, tout ça. Aujourd'hui, je vous parle donc du liquin. Donc ce liquin qui est vendu sous forme de petits de petites fioles. Bon, là, c'est la marque Winsor Newton. En fait, vous remarquerez, vous voyez, c'est pas liquide, c'est une sorte de gel. C'est un gel, d'ailleurs. Les deux sont des gels. Et ils sont très particuliers à utiliser, mais ils sont très, très, très marrants. Alors, quelles sont leurs principales propriétés? Bien, je vous ferai une petite démonstration juste après. Pour vous montrer sur des tableaux et sur du papier à côté pour que vous compreniez, sur la palette. En fait, ces gels donc, se diluent d'une certaine manière avec essentiellement du white spirit, donc de l'essence de pétrole. Et ils sont une particularité, c'est qu'ils sèchent très 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 vite. Par exemple, quand j'utilise le liquin, le lendemain c'est archi sec, ou quasiment en tout cas au toucher. Ce qui permet de retravailler sans arrêt, donc jour après jour, si vous le souhaitez. Alors, il m'arrive souvent de faire... Là, j'ai fait une série complète de 8 ou 9 peintures sur un mois et demi, uniquement avec les deux liquins. C'est un petit peu pour vous les montrer, mais aussi pour moi. Parce que dans le passé, j'utilisais beaucoup, beaucoup de liquins et je suis revenu au médium flamand. Voilà, ce qui est très, très bien aussi, mais on met de côté pour la prochaine vidéo. Donc, revenons au liquin. Le liquin sèche extrêmement bien, et auparavant il n'y avait que celui-ci quasiment, c'est ce qu'on appelle le liquin original. Et donc il permet d'avancer, il est un petit peu trouble, mais il est très très bien, il est un petit peu souple, il est onctueux, il permet de faire des touches, il permet de travailler même déjà en glacis, de monter les couches, etc. C'est très très intéressant. Et on peut fortement le diluer ou peu, donc ce qui permet d'avoir des rendus très différents. On peut calmer, le fait d'en mettre même un tout petit peu suffit pour que ses propriétés s'appliquent. C'est-à-dire que ça sèche quand même très vite. Même si vous ne mettez que 20% de liquin originel plus 80% d'essence pour faire votre tableau, au moins au début, eh bien, il va sécher très très vite. Voilà l'intérêt. Et il y a aussi, un peu plus tard, est venu le liquin light gel, qui est très intéressant parce qu'il permet, lui, d'aller jusqu'au bout du tableau, faire des glacis. Effectivement, celui-ci ne permettait pas facilement de faire des glacis. C'était un petit peu trouble, en fait. Il y avait un côté un peu satiné qui était insuffisant pour les glacis profonds, avec beaucoup de transparence. Donc voilà, avec ces deux sorte de liquin, on peut vraiment faire complètement un tableau. Alors surtout, surtout, si vous utilisez le liquin, utilisez celui-là puis celui-là, mais ne l'utilisez pas, je vous en conjure, sur des tableaux qui ont été faits avec d'autres médiums. Car en effet, j'ai déjà fait cette erreur, vous voyez, je fais des erreurs, moi, beaucoup. Eh bien, j'ai fait des reprises de tableaux avec ce liquin, et eh bien, ça a craquelé.
Pourquoi? Parce qu'il a un, il ne correspond pas tout à fait aux critères de la peinture à l'huile. Ils sont donc faits, je vous le rappelle, pour l'alkyde. D'accord? Donc, si vous les utilisez, utilisez seuls. Et surtout, quand vous faites votre tableau, hein, eh bien, voilà, vous faites votre tableau comme ça, par exemple, là qui a été fait qu'au liquin, hein, eh bien, à l'arrière, vous mettez liquin. Pour être sûr, parce que dans 2 ans, 3 ans, si vous voulez retravailler votre tableau, vous savez que vous pouvez le reprendre au liquin ou aussi avec les autres médiums qui, eux, vont sur le liquin. Mais le liquin ne va pas sur les autres médiums. Donc, ça vous donne une indication. Mettez toujours à l'arrière de votre toile le médium avec lequel vous avez utilisé, vous avez peint. C'est très important. Voilà. Donc, c'est tout simple. Maintenant, je vais vous faire une toute petite démo sur la palette et ça va vous permettre de voir comment on peut l'utiliser, comment on peut le lisser, comment on peut l'utiliser un petit peu plus en empattement, etc. Je vais vous montrer plein de variantes, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. Mais ça permettra aussi de voir sur des tableaux que je suis en train de faire, comme ceux que je vous ai montrés, comment je pose le médium de manière opérationnelle et définitive. Voilà, allez, on passe de l'autre côté. Alors nous voilà maintenant sur notre table avec les ingrédients. Donc je disais le médium original, le médium Light Gel, qui permet de travailler des glacis. C'est très intéressant. Et celui-là, de mettre en pâte. Alors comment on les utilise? Alors je vais juste vous montrer un petit peu. Alors le problème souvent, c'est que c'est un petit peu, pâteux. Hein, voilà, c'est une sorte de gel. Alors souvent, il faut secouer. Voilà, pour le rendre un petit peu plus, entre guillemets, liquide. Je crois que ça a un nom, le fait de passer du... au niveau de la chimie, passer du... Alors, donc, j'en mets une petite pointe. Alors, voilà, par exemple, je mets ça, je ne vais pas en mettre beaucoup, parce que je ne suis pas sûr de peindre aujourd'hui. Voilà, alors, celui-ci, il est opaque, vous voyez. Alors, bien sûr, on ne voit pas bien, peut-être. Voilà. Donc ça fait vraiment une cloque. Alors je mets, maintenant je vais mettre le médium, l'autre, à côté. Parce que je vais les travailler en même temps, je vais vous montrer en même temps. Voilà, hop. Hop, il ne faut pas en mettre de trop, hop. Voilà. Alors celui-là, il sera très utile pour les glacis, disais-je. Alors, il y a plusieurs solutions. Quand on est au démarrage d'un tableau, on peut en mettre vraiment des grosses quantités. Vous voyez là, il y a le pifomètre qui est vraiment très important. On ne peut pas se permettre de mesurer avec une pipette. Enfin, si, on a qui le font. Voilà, je vais le faire assez liquide. Voilà, vous voyez, comme ça. Puis l'autre, pareil. Je mets l'autre, c'est pour un glacis, donc je ne vais pas mettre trop de médium, de white spirit. J'en mets juste une petite pointe, voilà, pour le rendre liquide. Là, j'en ai peut-être mis beaucoup. Alors donc, je vais remuer. Voilà, je remue. Et vous avez vu, ça se dilue très bien. Bien sûr, il faut le diluer jusqu'à ce que ce soit une espèce de crème. Alors, faut le sentir. C'est toujours pareil. On me demande souvent quelle est la couleur utilisée, quelle est la marque. J'en donne de temps en temps. Mais surtout, il faut développer une espèce d'instinct. Par exemple, là, je vois bien que c'est assez liquide, c'est bien. Mais il y a quand même pas mal de médium. On va dire, là, il y a à peu près 30% de médium pour 70% de white spirit. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Et l'autre, il y a 50-50. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais me rajouter un peu dans ce cas-là. Vous voyez, au pifomètre, je me rends compte qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus... Si je veux faire un glacis, parce que, en fait, j'ai déjà expliqué ça, le glacis. Plus on va vers la fin du tableau, ce qui est le cas du glacis, bien entendu, eh bien, moins il y a de diluant. Du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Donc là, en rajoutant ça, je passe de 40% à 60% de médium, jusqu'à ce que ce soit liquide. Il faut que ce soit quand même liquide. Parce que sinon, vous allez mettre une gadoue complètement, un peu trop, un gel quasiment, qui s'étalera très difficilement, et puis qui va vous alourdir votre effet de surface. Alors, voilà. Donc, il faut bien remuer, bien remuer, bien remuer, bien remuer. Voilà, ok ?
Voilà. Je le mets là. Alors, j'ai pris deux sortes de couleurs. Un rouge transparent et un rouge opaque. Voilà. Ce sont de la marque Marin. Voilà. Donc, celui-là, c'est le vermillon. Cadmium, par contre, rouge moyen. Voilà. Et puis, celui-ci, c'est donc lac de Garance foncé, qui est une couleur très utile, on va dire. Bon, je le retire. Ah, maintenant, les pinceaux. Alors, ceux qu'il faut utiliser quand on fait de la peinture ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise pour les glacis. Par exemple, en peinture, bah, bien sûr, les pinceaux qui peuvent servir pour les glacis peuvent servir pour la peinture. Voilà, donc j'ai des pinceaux. Alors ça, c'est des pinceaux usés qui ont déjà servi. Alors, ils peuvent servir quand on travaille la peinture. Au contraire, la dureté et l'aspérité vont permettre de poser. Les pinceaux, pour celui-ci, peuvent servir à la mise en place au début d'un tableau, donc il n'y a pas de souci. Même des vieux pinceaux abîmés peuvent servir parce que ça peut permettre de faire des effets de matière, par exemple. Ou alors un pinceau neuf aussi, bien entendu. Plein de solutions sont possibles pour poser la peinture avec ce liquin. Par exemple, voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça, abîmé. Il est fait, j'ai pris exprès un abîmé, donc vous pouvez le mettre. Et puis, vous voyez, vous pouvez faire des effets, voilà, il n'y a pas de souci. Le médium va rendre plus onctueuse la peinture, elle pourrait donc être posée. On pourra faire des effets de matière, des trucs, profiter des pinceaux abîmés. Bien sûr, on peut faire la même chose avec ce rouge, mais avec un pinceau lit, et nous n'aurons pas du tout les mêmes effets. D'accord ? Donc, ce premier médium, qui est quand même le plus important, il sert à tout, hein, il permet de mettre en place, selon votre convenance, telle ou telle sorte d'effet de matière. Voilà, donc, il accompagne la peinture. Alors, on peut la prendre très épaisse, comme ça, avec un tout petit peu de médium. Voilà, là, j'ai mis très peu de médium. Alors là, pardon, on va avoir des trucs très épais. Et là, j'en ai mis beaucoup plus. Là, il y a peut-être 10% de médium. Là, il y en a peut-être 30-40%. Mais ne dépassez jamais les 50%, d'accord, entre la quantité de peinture et la quantité de médium. Je rappelle qu'un médium, ça veut dire intermédiaire, c'est un liant que l'on ajoute à la peinture qui permet donc de la rendre plus onctueuse, plus liquide, ou alors d'avoir des effets particuliers sur le caractère brillant ou non brillant, ou satiné, etc. Il y a plein d'effets qui sont dus au médium. Ces médiums, donc, doivent jamais dépasser, à mon avis, 50%, voire 40%. Et puis, à l'intérieur, plus on utilise le médium, au début, il est très dilué, comme là, il y a 70% d'essence. Mais si je fais plusieurs couches, après, je mets 50%, puis après 60%, s'il le faut, jusqu'à ce que ce soit de plus en plus, ça doit être de plus en plus gras. C'est-à-dire que quand on utilise le liquin original plus de l'essence, c'est un médium que l'on met beaucoup. Le liquin lui-même est déjà un médium, mais plus ou moins dilué, c'est encore un médium. Le mot médium, ça veut dire, c'est très général, hein. Faut faire gaffe, parce que quand on dit médium, il y a le médium pur qui sort du tube ou de la bouteille, et puis il y a le médium pendant lequel qu'on utilise pour travailler. Celui-ci peut être très varié, il dépend de votre besoin à un moment donné. Mais le fait qu'on donne le même nom médium aux deux pose souvent des problèmes dans la tête de pas mal de personnes. Voilà, donc, là, c'est le médium, qui est assez dense, qui permet donc de faire même des petits, des muscles empattements, des trucs, voilà, comme ça, il y en a presque pas là, et là, il y en a plus, et voilà, etc. Vous avez compris, c'est très simple, et c'est avec ça, par exemple, que j'ai fait ce tableau-là, par exemple. Vous voyez, j'ai travaillé uniquement de cette manière-là, avec ça. D'accord ? J'ai fait celui-ci, et j'ai fait celui-ci, sur lequel je vais utiliser les rouges pour faire des petites corrections de glacis. Voilà. Donc, usage de ce médium du début jusqu'à la fin. En diluant de moins en moins, évidemment. Hein, je répète. Ensuite, tout à la fin, il y a encore un autre élément intéressant. C'est, donc je vais essuyer mon pinceau, ou je vais en prendre un autre, voilà, comme ça. Maintenant, c'est le glacis. Alors, le glacis, c'est l'usage de celui-ci, et donc, il est franchement transparent. Donc, je vais utiliser un
pinceau propre. Alors des fois, vous voyez, les pinceaux qu'on utilise pour le glacis, ils doivent être très doux. Autant pour le premier médium et la première mise en place des couleurs, on peut utiliser des pinceaux même très abîmés, mais surtout n'utilisez pas celui-ci pour les glacis. Ce serait une véritable catastrophe, parce que vous auriez des glacis complètement irréguliers, avec des traces, des traits, etc. J'ai fait exprès d'en prendre un pour vous montrer. Alors donc, on peut utiliser ça. Alors voilà le médium. Alors le médium, je vais utiliser de la peinture transparente, comme ça. Et donc, on va avoir, vous voyez, des couleurs qui vont être très transparentes. Voilà le principe du médium. Et ça, c'est les glacis. Alors, de finition. C'est-à-dire que le tableau doit être fait à 80-90%, et vous pouvez mettre des médiums, voilà, comme ça. Mais il y a aussi d'autres, j'ai déjà fait des vidéos sur le glacis de travail, voilà, comme ça, vous voyez, tac. Vous pouvez nettoyer et refaire plusieurs fois. Alors voilà ce que ça donne sur votre toile, quand vous êtes... Alors bien sûr, si je fais ça sur un tableau comme ça, vous ne verrez pas les traces, d'accord ? Vous ne verrez que l'impression de rouge. Voilà. Ce qu'il faut éviter, quand vous faites des glacis, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, si vous faites des glacis et que vous faites des choses comme ça, vous allez perturber la couche en dessous. Le glacis régulier est la base. Hein. Ça ne veut pas dire que ce genre de glacis ne doit jamais exister. On peut des fois faire des glacis exprès pour donner des effets de matière particuliers en glacis. D'accord ? Vous voyez la différence ? Ensuite, ça va prendre un peu... Voilà, donc on peut, si on veut faire quelque chose de propre. Et donc, ça va simplement marquer comme ça. Alors, l'élément amusant, intéressant, alors je vais voir avec ça. Là, je vais faire un trait noir. Donc voilà, ah zut, là il y a de l'essence. Voilà, comme ça. Quand il y a de l'essence, ça... Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais faire un glacis. Vous allez voir, pas avec celui-là, avec celui-ci. Voilà. Donc le médium, voilà, comme ça. Et si je le fais, regardez, l'intérêt du glacis, c'est qu'il ne modifie pas le trait que j'ai fait en dessous, il le recouvre simplement. Alors on peut le recouvrir de manière précise comme ça, ou alors avec des effets si on veut, comme ça. Donc je le fais aussi des fois sur mes propres tableaux. Vous avez compris le principe du glacis, ça j'en ai déjà parlé ailleurs. Mais c'est pour vous montrer la différence entre le médium qui est très transparent. Et je vais le faire avec le médium, la même chose, avec le médium opaque. Ah, pas là, je reprends de là comme ça, je reprends la même peinture, voilà, comme ça. Et donc, bon, cela dit, il est un petit peu, il fait un peu la même chose quelque part, mais la grosse différence n'est pas trop dans le rendu, parce que le médium va permettre de faire un glacis presque comme ça. Mais c'est le rendu plus brillant, et malgré tout, il est un peu plus transparent. Et c'est le gros intérêt. Mais dans ce cas-là, c'est pas flagrant, d'accord ? Donc, voilà pour les deux médiums, tels que je voulais vous montrer. Le liquin, donc, est très, 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 très utile pour cette raison-là. Alors maintenant, juste une petite démo sur un tableau en réalité. La palette, je vais la mettre bien à droite. Si vous êtes droitier, mettez la palette à droite. Ça paraît tout bête, mais ça, c'est une fois sur deux, elle est à gauche. Et c'est très gênant. Il faut toujours avoir un chiffon à disposition. Les pinceaux. Et je vais juste faire un glacis. Voilà. Alors, par exemple, je vais juste vous montrer. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est... Je vais mettre comme ça pour que vous voyez aussi la palette. Voilà, donc je vais prendre mon médium transparent, là je l'ai inversé, là le trouble est le transparent. Le liquin, si vous n'achetez que celui-ci, donc l'opaque, vous pourrez déjà faire un gros travail. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux parce qu'ils coûtent quand même assez cher, 25-30 euros quand même pour un truc comme ça. Je trouve que c'est cher, on se lâche en ce moment. Alors voilà le glacis, alors je vais le faire un petit peu de manière excessive, regardez, je vais le faire ici. Je ne devrais pas, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de le faire là. Mais l'avantage du glacis... c'est que vous pouvez enlever complètement, d'accord ? Alors là, par exemple, vous pouvez dire, voilà, je vais faire ce livre, je le veux plus rouge, et bien vous faites un petit glacis rouge sur l'ensemble, d'accord ? En général, quand on fait ça, alors il faut faire gaffe, là, dans les zones rouges, je vais utiliser ce rouge, et ça va augmenter la transparence, l'impression de nacré un petit peu qui est en dessous.
Là, par exemple, si j'utilise donc mon médium transparent, parce que là, le tableau est quand même dans sa phase un peu finale. Alors là, je prends le rouge. Je voudrais que ça reste un petit peu rouge. Mais regardez, même si ce rouge est très fort, je vais mettre pas mal de médium. Voilà, comme ça. Voyez, regardez, même sur les blancs, vous rendez compte ? L'intérêt. Alors là, il y a deux choses. Quand on fait un glacis comme ça, bon, je devrais prendre un pinceau plus grand, notamment celui que j'ai utilisé avant. Voilà, voilà. Donc je reprends mon médium et je reprends, vous voyez, regardez. Il faut prendre un pinceau plus grand. Un pinceau, quand vous travaillez au médium, travaillez qu'un pinceau un peu plus grand. Bon, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de mettre que du rouge, mais c'est pour vous montrer. Hein. Et vous allez voir, je vais en enlever. Donc je crée une unité. L'intérêt de ce médium, c'est qu'il va permettre de manière rapide, ça va sécher très vite, de mettre une espèce de coloration très très fine. Alors je mets là par exemple, je vais reprendre que du médium pour récupérer le rouge qui est ici, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Et donc ça tend à faire une unité dans l'ensemble des couleurs. Bon, ça c'est le principe du glacis que j'ai déjà traité. Voilà. Et le liquin transparent permet de faire quelque chose de très sympa qui va en même temps donner une unité dans la coloration, d'une part, mais aussi dans la texture qui va devenir riche, profonde, etc. Vous voyez, au début, j'ai mis du rouge, ça paraissait très fort, et quand on repasse plusieurs fois, et quand surtout il y en a partout, eh bien, on se rend plus compte que c'était un rouge. En fait, ça a modifié, je vais dire une bêtise, mais de 2% l'effet coloré, mais ça suffit pour donner une richesse aux différents tons. Voilà, voilà le principe du glacis. Et vous remarquerez aussi qu'il n'est pas nécessaire là d'avoir un glacis vert, là un glacis brun, là un glacis bleu, etc. Il y a une unité. La modification est tellement légère, de l'ordre du pourcent, du 2%, 3% de la couleur du dessous, que la couleur reste la couleur. Par exemple, le bleu reste le bleu, le vert reste le bleu, etc. L'orange reste orange, etc. Voilà. Maintenant, vous avez remarqué, j'en mets très peu et je l'étale. Voilà. C'est un fin glacis, je dirais ça. Et ça, on peut le faire 3-4 fois de suite. D'accord. Alors là, l'intérêt aussi, on peut, alors je vais faire un voile, juste pour vous montrer un voile, mais c'est en plus, c'est juste pour le côté folklore. Là, j'ai mis un peu de blanc. Alors là, c'est un blanc de titane. Si on veut un blanc très très léger, on peut prendre du blanc de zinc, qui va être encore plus léger que ça. Mais vous voyez, regardez, là, j'ai fait ça. Alors je prends, pareil, mon médium. Là, il reste un peu rouge, donc j'enlève. Vous voyez, on nettoie toujours le pinceau comme ça, des fois même avec le médium, ou de l'essence, mais enfin, souvent on reste dans le médium, c'est pas mal. Alors là, j'en mets peu, parce que là, j'en ai déjà du médium, d'accord ? Donc si j'en rajoute, ça fait une double couche de médium. Donc voilà, et donc si je veux rendre cette zone-là plus légère, faire un voile, regardez, hop, tout simplement, voilà. Voilà à quoi servent les glacis d'une part et comment on les met avec du liquin, les différents liquins. Voilà. Et si je remets une pointe de blanc, vous voyez, donc, ça va donc légèrement anesthésier de quelques pourcents. Et de quelques pourcents en quelques pourcents, bah, vous gérez l'ensemble de votre tableau comme une sorte de pâte à modeler, quoi, de couleurs. Voilà. Là, on peut adoucir. Regardez, là, si je veux adoucir, là, je prends une petite pointe de blanc. Et là, comme il y a déjà du liquin, vous voyez, je vais donc faire un léger voile, très, très, très léger. Mais c'est dans ces subtilités-là que se trouve des fois tout l'intérêt de la peinture. Hein. Ce n'est pas des peintres anciens qui nous diront le contraire. Voilà. Bon, bah, c'était tout simple. Hein, voilà, c'était une petite astuce technique. Alors, dans les prochaines vidéos, je parlerai du médium flamand un peu plus. Et puis, peut-être en même temps, du médium flamand et du médium Thalens 84, qui est très intéressant aussi. Voilà, c'est deux médiums différents. Alors, le médium flamand et les médiums vraiment à l'huile, réservés pour la peinture à l'huile, peuvent être mis dessus. Ça posera pas de problème. Mais le liquin, je répète, ne doit pas en aucun cas
être mis sur des peintures qui ont été faites avec d'autres médiums. Il faut que du liquin, liquin sur liquin, d'accord ? Sinon, c'est la catastrophe. Par contre, il est extrêmement solide. Quand il est, oui, là, ici, par exemple, vous voyez, j'essaie de rayer, c'est impossible. C'est vachement costaud, costaud. C'est une des raisons. Mais un autre élément qui pose un petit peu, un petit inconvénient, il donne une impression légèrement plus plastifiée, par exemple, que le médium flamand. Voilà, il y a quelques petits inconvénients, notamment celui-là. Il faut que vous appliquiez ces méthodes à votre propre pratique à vous. Amusez-vous bien. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner. Et puis, à bientôt et bonne pratique.